Anna, béni soit le roi, béni soit le roi de mon sang. Alléluia. Béni soit le roi, béni soit le roi de mon salut. Quelqu'un va élever la voix en ce moment. Tu vas commencer par adorer le Tout-Puissant. Tu vas lui donner toute la gloire qui lui est digne ce soir. Tu vas l'élever. Tu vas l'adorer. Tu vas le louer. Tu vas lui dire qu'il est trois fois saint. Tu vas lui dire qu'il est saint. Et tu vas lui dire qu'il est Dieu. Sur cette terre, dans les cieux, personne ne peut se comparer à lui. Tu vas l'élever ce soir. Dis-lui les choses merveilleuses en ce moment. Donne le Seigneur en ce moment. Adore Dieu en ce moment. Les bros sous candé. Dis-lui qu'il est merveilleux. Et la broma, c'est que les diabolka. Reconnuda la brama sous le diabaskanda. Et les broma sous le diabaska. Dieu de compassion, Dieu de gloire. Nous voulons bénir ton Seigneur ce soir. Nous voulons élever ton Seigneur ce soir. Nous voulons magnifier ton Seigneur ce soir. Nous voulons adorer ton Seigneur ce soir. Nous voulons te dire, oh Jésus, que tu es le Tout-Puissant. Nous voulons te dire, Jésus, que tu es très élevé. Nous voulons te dire que tu es des armes, roi des rois. Et le lion de la tribu de Juda. Rien ne peut se comparer à toi. Rien ne peut égaler à toi. Rien ne peut que les romans. Tu es le premier Seigneur de la création. Tu es le premier de l'inauguration de la création. L'alpha et l'oméga. Je te donne la gloire. Je te donne toute la gloire. Je te donne la louange ce soir. Je bénis ton Seigneur ce soir. Je lève ton Seigneur ce soir. Et Calebro Masondolia Kende, tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être exalté. Tu es digne d'être glorifié. Tu es digne d'être exalté. Tu es digne d'être loué. Et Hosanna à toi. Hosanna à toi. Hosanna à toi. Et prince de prince, Hosanna à toi. Roi de roi, Hosanna à toi. Au-dessus de tout roi, Hosanna à toi. L'alpha et l'oméga, Hosanna à toi. Disons que tu es saint. Hosanna à toi, saint. Hosanna à toi, roi des rois. Hosanna à toi, le commencement et la fin. Hosanna à toi, les télébromas. Les télébromas scandés. Les toits brillants du matin, Hosanna à toi. Et qu'un masque. Candélébré, libros condoma le candélabra, la broma sondo kindélabra scandat. Eh mon père, Hosanna à toi. Hosanna à toi, Dieu Tout-Puissant. 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 Hosanna à toi, trois fois saint. Hosanna à toi, roi des rois. Hosanna à toi, eh le broma scondo, la bokindélabra. Il est broma sondolia beskende, kande le broma sondolia kande, racola broma skende liake. Quelqu'un adore le Seigneur, quelqu'un adore le Seigneur, quelqu'un adore le Seigneur, quelqu'un adore le Seigneur. Kande he, bobo bashaka baba, libros sondolia maskanda. Quelqu'un adore le Seigneur en esprit maintenant, quelqu'un adore le Seigneur en esprit maintenant.
Libra scande le bosondo, ekende libra kende, masondo libra scanda, recalibre masondo liya beskende, marokande likande le boska, libroscondo makondo liya beskende, limalebroscondo likalibre, ikande labro masondo liya beskende, marekalibro masondo kinda, rakende libroscende, quelqu'un le adore le Seigneur en esprit maintenant, car la Bible déclare Seigneur que le temps viendra et il est là en ce moment. Et que ceux qui adoreront le Père l'adoreront en esprit et en vérité. Et quelqu'un adore le Seigneur en esprit maintenant. Quelqu'un loue le Seigneur en esprit maintenant. Quelqu'un chante au Seigneur en esprit maintenant. Quelqu'un lève son nom en esprit maintenant. Quelqu'un bénit son nom en esprit maintenant. Quelqu'un glorifie son nom en esprit maintenant. Quelqu'un adore le Seigneur en esprit maintenant. Seigneur, je veux expérimenter ton Le
Yala baba baba sheka baba ba. Le brosuka da la ba. La boba shekende. Ma kondelia ma kondelia. Le kasi kandele braska. Ile broma sundolia beskende. Le brosa kanda mi braska. Kinda la brama sokonde. La broma sundolia braska. E kandeli braskende. Ma kondele breskanda. Le broskande. 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 Ma kondele brama seka. Hey, le broskande. Ma kondele brama Le puissant de Jésus de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Le boss kande, I calabro sakababa. Ma sondoli kende, ma kondolabra, ma sheka yenda. Alléluia. Quand j'ai commencé par prier au prophète, alléluia. Amen. Quand j'ai commencé par prier, j'ai eu une vision. Je voyais comme façon qu'on veut fêter et on dresse les tables. Beaucoup de tables sont dressées. Genre comme si les tables qu'on veut célébrer une fête. Donc j'ai vu cela comme ça dans mon esprit. Et la question qui est venue à moi-même, c'est pourquoi? Et le Seigneur me dit, pourquoi j'ai promis à élever. Longtemps, j'ai promis à mettre le sourire, mais l'heure a sonné pour moi à ce que j'établisse cette personne. Je ne sais pas qui le Seigneur veut établir. Vous pouvez élever quelqu'un au niveau de la personne même sera une fête qui va célébrer. Dieu dit, il veut mettre le sourire, tu vas sourire. La joie dans le cœur de quelqu'un. Dieu dit longtemps, il a promis cela. Mais il veut accomplir maintenant sa parole dans la vie de la personne.
Et cette personne va célébrer. La joie va tellement déborder que ça c'est une chose inattendue qui va se faire. Qui va se faire. Alléluia. Hey, thank you, Jesus. Le beau candeli brascanda. Je veux encourager quelqu'un pendant ces 50 jours. Sois concentré parce que Dieu veut localiser, veut localiser. Il veut localiser, veut localiser. Ah, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, notre Dieu est merveilleux. Tout de suite, là, quand j'ai dormi, je me suis retrouvé sur un terrain très grand comme cela. Et il y avait le vent qui soufflait. Et cet vent plaçait les tables. Oh, Seigneur. Oh, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Quelqu'un lève le Seigneur en esprit encore. Quelqu'un lève le Seigneur en esprit encore. Je ne sais pas ce qui va se passer pendant ces 50 jours, mais. Amen. Ces promesses sont oui et amen.
Ce que sa bouche a déclaré, c'est ce que sa main a accompli. Ce que sa bouche a déclaré, c'est ce que sa main a accompli. Ce que sa bouche a déclaré, c'est ce que sa main a accompli. Et Dieu dit, je ferai au-delà même de ce qui est venu dans tes pensées. Lui, il a profité de la prière. Ma condamnation de la bête, il célèbre Sukanda. Gloire à ton Seigneur, Seigneur. Sois élevé, Jésus. Sois béni, roi des rois. Sois exalté, Seigneur des Seigneurs. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Et amen. Amen. Ok, papa. Béni, maman. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Merci Saint-Esprit. Yes, Lord. Alléluia. Tu vas élever ta voix avec moi et nous allons bénir le nom de Dieu. Tu vas élever ta voix avec moi. Célébrer le nom de Dieu. Tu vas élever ta voix avec moi et nous allons chanter les merveilles de Dieu. Et ta voix avec moi et nous allons glorifier le nom de notre Seigneur. Tu vas élever ta voix avec moi. Tu vas
Merci, alléluia. Merci pour cette journée. Merci pour cette deuxième journée. Merci pour le mois d'avril. Nous sommes au 2 avril. Merci pour ta grâce de vie. Merci pour ton onction. Merci pour ta présence au milieu de nous. Ah, trouve une raison pour bénir le nom de Dieu ce soir. C'est le nom puissant de Jésus. Pendant que tu es là, ouvre ton micro et parle. Ouvre ton micro et parle. Ouvre ton micro et parle. Arabasuka Ibele guide les bandeaux pour Sagada. Est-ce quelqu'un reconnaissant pour l'Éternel ce soir? Alléluia. Pour sa main puissante, pour son amour, pour de nous. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix et dire Seigneur, merci, Alléluia. Mansé guide les Maya. Seigneur, merci, alléluia. Seigneur, merci, alléluia. Tu vas élever ta voix avec nous. Nous continuons de te déclarer. Oh Seigneur, localise-moi ce soir dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Localise-moi en cette journée. Localise ma maison dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus.
dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Sois étendu au milieu de nous. Dans le nom puissant de Jésus. Ta main de gloire, au Père de gloire. Ta main de délivrance, au Père de gloire. Nous localisons au milieu, mon Dieu, mon roi. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Tu vas encore élever ta voix. Tu vas dire, oh Seigneur, Holy Ghost, empower me tonight to pray in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Empower me by your grace. Empower me by your power. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Demande que le Saint-Esprit te communique une force divine ce soir dans le nom puissant de Jésus. Demande que le que la main de l'éternel. Empower me tonight in the mighty name of Jesus. Legate. De Jésus, alléluia. Dans le nom puissant de Jésus, alléluia. Dans le nom puissant de Jésus, alléluia. Libre saga et les guédés, les manas. Selon qu'il est écrit, alléluia. Nous sommes en train de réveil. Nous sommes en train de réveil. Alléluia. L'éternel réveille à son esprit, alléluia. L'éternel réveille à son esprit dans ce papa. L'éternel réveille à son esprit dans le Dans le nom puissant de Jésus. Amen.
Que Dieu vous bénisse. Merci, Seigneur. Amen. Avant d'aller plus loin, alléluia, nous allons élever la voix. Avant d'aller plus loin, nous allons élever la voix pour prier pour un homme de Dieu, un serviteur de Dieu actuellement dans le coma, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Je vous ai toujours dit que nous courons à la prière de la multitude. Alléluia. Lorsque la Bible parlait, alléluia, la Bible dit que quoi, les cieux étaient ouverts. Luc 1 à son verset 10. La Bible dit que la multitude était au dehors en train de prier. Alléluia. Zacharie a reçu une visitation angélique. Alléluia. Amen. Un ange a été délégué au ciel. Alléluia. L'ange a été relâché pour aller. Je m'en souviens le jour là. Pierre a été emprisonné. Je déclare qu'il est guéri. Je proclame qu'il est guéri. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Il opère ce miracle. Dans le nom de Jésus, que tu as le ressuscité, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Opère ce miracle. Nous donnez-moi Jésus. Seigneur, opère ce miracle. Pendant que nous sommes dans cette atmosphère, nous allons prier pour les malades. Pendant que nous sommes dans cette atmosphère, si tu es ici, tu es mal quelque part. Si tu es ici, tu connais quelqu'un qui est souffrant. Si tu es ici, je veux que tu disposes ta foi. L'onction de guérison est disponible. Alléluia. La grâce de guérison est là. Maintenant que nous prions pour l'œuvre de l'homme de Dieu, alléluia, qui parlait, le ciel est ouvert.
Le ciel est ouvert, le ciel est ouvert. Marco Brendele Kadalamade. Nous sommes à la piscine de Bethesda. Mais la particularité, ce n'est pas une seule personne qui sera touchée. Alléluia. Ce n'est pas une seule personne qui sera guérie. Alléluia. Ce n'est pas une seule personne qui sera libérée cette nuit. Ce n'est pas une seule personne qui sera guérie. Alléluia. Dieu a délivré des esprits de mort. Les morts. Dieu va délivrer de l'esprit de mort. 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 De Dieu, puisse le Dieu, alléluia, est répandu au milieu de nous ce soir. L'onction de vie, marquée par la grâce à Kata et les guérir. Père, dans le nom puissant de Jésus, commande maintenant par le feu du Saint-Esprit. Je place le feu de ton esprit de mort. Mon onction de guérison maintenant. Je relâche le feu du Saint-Esprit. Les prasagada la manée. Mets ta main là où tu es mal, alléluia. Il y a une visitation, il y a une visitation. Le feu du Saint-Esprit est libéré ce soir dans le nom puissant de Jésus. Le feu du Saint-Esprit est libéré dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, de la tête aux pieds, je libère ton nom, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, au Père. Que tout ce qui est maladie, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Que les tensions disparaissent. Mon Dieu, consumé par le feu, ce qui est diabète dans le sang, dans le corps de Saint-Paul, au cœur de gloire. Dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, je me lance par le feu. Mando Robosaga, Helegede, la Bosaga, Helegede, les manas, Robosaga, Helegede, les barakousaga, dans la banane. Dans le nom puissant de Jésus, alléluia, 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 alléluia. Maintenant, je vais élever la voix. Il y a des chaînes qui seront brisées des pieds. Il y a des chaînes qui seront brisées des mains. Des chaînes de retard. Des chaînes de retard. Mais tu n'avances pas. Alléluia. Tu trouves Moïse avec tout le peuple de Dieu. Dieu est descendu dans des millions de le verset. Nous avons toujours Dieu autour de cette montagne. Que toi, je tiens déclaré sur ta vie. Tu as trop Dieu autour de cette montagne. Alléluia. Comme je suis, tu es lié. Tu es lié. Tu ne peux pas te déplacer à la grandeur de cette montagne. Alléluia. Que ce soit dans le monde de Jésus. Mais tu te tiens avec le monde de Jésus. Je prie une chaîne qui te retient dans le monde de Jésus. Je prie une chaîne qui te retient dans le monde puissant de Jésus. Je le prie pendant ce jour. Le feu libère,
plein d'esprit de regard. J'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu. Le Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Il y a une des choses que le ténèbre veut faire. Ça ne va pas durer. Alléluia. Tu es ici, tu cherches du boulot. Tu es ici, tu veux changer du boulot. Tu es ici, you are trusting God for another job. You are trusting God for another salary. Alléluia. Dieu vient de faire, d'activer cette grâce. Dieu vient d'ouvrir cette porte dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Dieu vient de t'accorder cette grâce dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Il y a une porte nouvelle qui s'ouvre au-devant de toi dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Marche. Marche dans cette grâce. Je déclare sur ta vie que tu seras localisé. Je déclare sur ta vie que tu seras favorisé. Je déclare sur ta vie que tu seras dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, tu le fais. Seigneur, tu l'as fait dans le puissant de Jésus. Alléluia. Je serai localisé par la grâce de Dieu. C'est la puissance de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Maman Félicie, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Nous sommes à notre deuxième jour des 50 jours. Alléluia. Nous sommes à notre deuxième jour des 50 jours. Je crois que pour la grâce de Dieu va localiser quelqu'un. Alléluia. L'Éternel sera favorable à quelqu'un. Alléluia. Vous savez, il y a les raisons pour être en ce lieu pendant ces 50 jours. Je vous disais là, hier, sur l'introduction, que 50 ans, année de jubilé, est une année spéciale pour les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Les 50 ans, C'est une année de jubilé où les dettes sont remises. Alléluia. Amen. C'est une année de grande célébration où pendant que tu es en esclavage, on t'a retenu peut-être comme esclave. Quand les 50 ans arrivent, il doesn't matter. Alléluia. Les 50 ans particulièrement feront que quoi? Pour nous libérer. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, ce que nous faisons, ne serait-ce que quelqu'un qui sera, qui prendra ce moment au sérieux. Alléluia. Et tu es là pendant les 50 jours. Tu vas écouter une bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Amen. Bonne nouvelle frappera à ta porte. Amen. Alléluia. Amen. Je vous disais hier, ce n'est pour rien que quoi la promesse de l'Esprit a été relâchée au jour de Pentecôte. De la résurrection à la Pentecôte, ça fait les 50 jours. Amen. Dieu a appris des choses. Dieu ne voulait plus attendre pendant les 50 ans pour accorder une grâce. Parce que les 50 ans, chaque année, quand l'année compte, à chaque 50 ans, c'est une grande délivrance pour tout le peuple de Dieu. Je vais lire quelque chose dans le livre de Lévitique 25 à son verset 8 jusqu'au verset 22. Amen. Il dit, vous compterez 7 ans de repos, 7 fois 7, alléluia, c'est-à-dire une période de 49 ans. Amen. Le 10e jour du 7e mois, le jour des expiations, vous ferez retenir le son du corps à travers tout le pays. Vous déclarerez en essence cette 50e année. Alléluia. Vous allez déclarer la 50e année, une année sainte. It doesn't matter. Dieu dit, vous allez proclamer cette année la sainte. Et la particularité de quoi? La 50e année, c'est du début du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Alléluia. Amen. Amen. Vous allez déclarer une année sainte, la 50e année. Donc, dans tout le pays, vous proclamerez la libération
pour tous les habitants. Vous voyez, vous allez proclamer la libération si quelqu'un est en prison. Alléluia. C'est comme si le président, le jour de l'indépendance, décide d'accorder la grâce, même si tu es voleur, si tu es criminel. Si le tour tombe sur toi, quand le président décide d'effacer, tu as peut-être 20 ans, alléluia, à faire la prison. Mais en cette année, je décide de te libérer. Amen. Quand le président décide, tu es acquitté. Et la particularité des 50, chaque 50 ans, dans la marche avec Dieu, pour les enfants de Dieu, à chaque 50 ans, Dieu décide d'accorder une grâce spéciale à tout le peuple. Et vous allez proclamer une allée de libération pour tous les habitants. Alléluia. Pour tous les habitants. Et je veux déclarer une année de libération, alléluia, sur toi et ta maison dans le nom puissant de Jésus. Sur toi et ta famille dans le nom puissant de Jésus. Que c'est une année de libération, un temps de délivrance dans le nom puissant de Jésus. Ce sera pour vous l'année de jubilé. Libération. Alléluia. Est-ce que me reçoit très bien? Ce sera pour vous. Alléluia. On est là. Chacun sera en possession de sa terre. Amen. En cette année, chacun rentrera en possession de ses promesses, je veux dire ici. Amen. Le chiffre 50 a une dimension spirituelle. Amen. Chacun rentrera en possession de sa terre. Et chacun retournera dans sa famille. Alléluia. La 50e année sera donc pour vous l'année de jubilé. Alléluia. Ce sera pour vous l'année de jubilé. Vous ne semerez pas, vous ne moissonnerez pas, alléluia, et vous ne vendrez pas, car c'est l'année de jubilé. C'est-à-dire, c'est une année où vous n'allez pas semer, mais vous allez moissonner, alléluia. Amen. Dieu a décidé de faire des miracles, de faire des prodiges dans la vie de son peuple. Amen. Amen. C'est ce que nous allons expérimenter pendant ces 50 jours. Quelqu'un n'a pas dit amen. 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 Il dit, en cette année, chacun de vous retournera dans sa propriété. Oh, quelle amen. Grâce. Alléluia. Chacun de vous, écoutez, c'est ce que je veux lire là. Je vais vous lire un verset dans ce. Alléluia. Je prie, après ces 50 jours, on te posera une question et tu auras des réponses à donner. Amen. La Bible dit le lendemain, alléluia, deux des disciples de Jean ont vu Jésus et puis ils se sont approchés de Jésus. Voici la question qu'ils ont posée à Jésus. Ils ont demandé à Jésus, tu habites où? Alléluia. Et Jésus a répondu, venez voir. Amen. Venez et voir. Ça dit, tu habites où? Jésus a répondu, venez voir. Vous savez, quand Jésus disait, je pense que c'est dans le livre de Matthieu, que le Fils de l'homme, que les renards ont des tanières, les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où poser sa tête. Jésus parlait de autre chose. Alléluia. Ce verset ne veut pas dire que Jésus n'avait pas un lieu où dormir. Ce verset ne veut pas dire que Jésus n'avait pas un lieu où poser sa tête. Ce verset ne veut pas dire que Jésus n'avait pas un chez. Amen. Parce qu'on lui a posé la question dans le livre de Jean. Tu habites, il dit, venez et voir. Amen. Venez. Amen. On te posera cette question et tu n'auras pas honte de montrer ta maison. Mm-hmm. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu n'auras pas. Dieu te bénira avec un chien où tu seras fier de monter ta maison. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu dit, et Jésus répondit, venez et voir. Mm. Vous savez,
Nous avons, il y a des gens qui ont des maisons où ils ont peur d'amener quelqu'un, ou bien ils ont honte, je peux dire quelque chose. Je veux le dire, ils ont honte d'amener quelqu'un dans leur maison. Alléluia. Amen. Amen. Ils font tout pour éviter. Mais vous savez, quand tu as une jolie maison, tu es fier de monter ta maison. Mm-hmm. Alléluia. Ils ont demandé, Jésus dit, venez voir. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Que Dieu ouvre les portes. Que Dieu t'apporte la délivrance. Que Dieu, alléluia, t'oriente autrement dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et ce deuxième jour, j'ai quelque chose à partager avec toi. Alléluia. Toujours, nous sommes Amen. Dans le fondement des choses. Que quelqu'un me trouve 2 Rois 2 à partir du verset 8. Il est quel déjà? Il y a 2 Rois 2. Nous sommes dans 2 Rois 2. Cabrando soquete les mains. 2 Rois 2. Je veux préparer notre esprit à affronter ces 50 jours. 2 Rois 2, verset combien, s'il vous plaît? À partir du verset 8. À partir du verset 8. Ouais. Alors, Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux, qui se partageaient ça et là, et ils passaient de qu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Je pense ce que je veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie une double portion de ton esprit. » Vas-y, verset 10. Verset 10, vas-y. Oui, 10. Tu demandes une chose difficile. Amen. Mais si tu me vois tant que... Amen. Alléluia. Mais si alors tu me vois pendant que je serai enlevé... Oui. Le verset 10. Vas-y. Élie dit, tu me demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me demandes, si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, comme tu l'as demandé, comme tu l'aurais souhaité, comme tu l'aurais désiré. Sinon, cela n'arrivera pas. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu bénisse quelqu'un. Amen. 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 Il lui dit, tu demandes une chose difficile. Vous savez, j'aime moi comme qu'on me dise la vérité. Et ceci m'aide à s'apprêter. Je parlais avec quelqu'un un jour, je disais que moi, I love challenge. Alléluia. I love to face challenge. I love challenge. Je ne fuis pas devant le challenge. Amen. J'aime qu'on me dise la vérité, qu'on me dit que ceci est difficile. Et je m'apprête pour affronter ce qui est difficile dans ce qui va arriver. Que de me dire, de me caresser dans le sens du poil. Et que j'arrive à affronter le contraire. Amen. Une des choses, Amen. Même avec la vie chrétienne, la manière dont, en vérité, en toute vérité, que nous évangélisons, il y a très souvent que nous mentons. Nous présentons très facile. Quand ce problème vient, mon pasteur va prier pour toi. Jésus. Donc, quelque part, c'est vrai. Mais quand nous parlons ainsi aux gens, les gens ont une autre conception de Dieu. Et quand ils arrivent, quand les épreuves vont commencer, alléluia, c'est une des raisons pour laquelle beaucoup perdent la foi. Parce qu'on ne les a pas apprêtés à la réalité de la vie chrétienne. Amen. On ne les a pas apprêtés à la réalité de la vie chrétienne. Je pense personnellement que nous devons revoir notre manière d'évangéliser. Alléluia.
Parce que nous présentons Dieu comme Dieu bonbon, Dieu qui est. Et quand les gens arrivent des fois, ils sont surpris de la réalité de la vie chrétienne. Amen. Ils sont très surpris. Mais aujourd'hui, mon problème n'est pas là. Voici Élie et Élisée qui marchaient ensemble. Et étant un étudiant de la Bible, nous connaissons l'histoire. Alléluia. Dans peu de temps, Élie se enlevé. Élie, le prophète de feu. Élie qui a invoqué le feu. Et Élie a fait beaucoup de miracles en invoquant la puissance de Dieu. Alors, Élie avait un serviteur qui marchait avec lui, à la personne d'Élisée. Alléluia. Dieu, d'ailleurs, l'a ordonné. Dieu l'a ordonné. Va choisir Élisée et oint le prophète à sa place. Quoi de plus normal si tu es déjà choisi par Dieu? Si tu as été révélé à son prophète et le prophète dit de te parler, que Dieu m'a demandé de te oindre pour son service. Je suis dans mon métier, je suis dans mon boulot, je faisais ce qui me plaisait. Et j'ai peut-être que Élisée n'a même pas prié. Tu vas demander à beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup d'enfants de Dieu, et dire, personne n'a jamais prié ici, je veux devenir un serviteur de Dieu. Je veux devenir prophète de Dieu. Je veux devenir apôtre de Dieu. Je veux devenir pasteur. Personne n'a jamais désiré un tel métier. Mais la grâce de Dieu te localise et fait de toi ce que nous sommes aujourd'hui. Alors, Élie a été demandé par Dieu d'aller choisir Élisée à sa place pour qu'il soit prophète à sa place. Donc, en temps normal, les choses devaient arriver facilement. Amen. Et en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, comme je le disais hier, l'affaire d'onction n'est pas l'affaire des prophètes, n'est pas l'affaire, alléluia, des apôtres. Bref, n'est pas l'affaire des serviteurs de Dieu. Quand tu es un enfant de Dieu, tu dois désirer la puissance de Dieu. Alléluia. Alors, il est question d'Élie qui a marché, qui a fait un temps avec son maître Élie. Il a vu comment est-ce que Dieu a utilisé, ou bien du moins, il a entendu parler du prophète Élie. Comment est-ce qu'il a fait descendre de le feu à plusieurs reprises. Vous savez, ces choses sont fascinantes. Ces choses étonnent. Et tous, nous désirons d'expérimenter cette puissance. Nous désirons d'expérimenter cette grâce. Nous désirons surtout que quoi un homme naturel que vous voyez peut invoquer le feu et le feu peut descendre du ciel. Alors, le temps que Élisée a fait avec Élie, arrivé un moment alors, son maître lui demande, demande-moi tout ce que tu veux, parce que dans peu de temps, je serai enlevé. Alléluia. Demande-moi tout ce que tu veux. Alors, Élisée a eu la sagesse de demander, je ne sais pas comment tu fais tes choses, mais je sais qu'il y a quelque chose sur toi qui t'amène à invoquer le feu facilement. Il y a quelque chose sur ta vie qui t'amène à ordonner les choses, à appeler des choses à l'existence, des choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Alléluia. Rappelez-vous notre thème, que quoi vous êtes des dieux. Alors Paul nous dit dans Romains 4 que Abraham a eu la révélation en disant que quoi, nous adorons un Dieu invisible qui appelait des choses à l'existence, des choses qui n'existent point comme si elles existaient. Alléluia. Élie, à l'instant de Dieu, a appelé le feu à l'existence pendant que le feu n'existait pas. Amen. Alors, Élisée avait désiré. Amen. Et puis, il a dit, je veux, je t'en supplie, qu'il ait sur moi la double portion de ce que tu as. Alléluia. Amen. Parce que Élie allait lui dire, ce que tu as demandé, puisque c'est Dieu même qui t'a choisi, je te le donne. Bien-aimé, Dieu nous a choisis, alléluia, mais il est difficile de recevoir l'onction. Amen. Et ce soir, c'est là où mon thème. L'onction est une chose difficile. Alléluia. Comprenez ceci, l'onction est une chose difficile. Amen. Pendant ces 50 jours, nous avons supplié Dieu. Alléluia. Hier, on a vu dans Luc 11, le verset 13, Jésus dit, à combien plus forte raison le Père ne donnera-t-il pas son esprit à ceux qui le lui demandent? Dieu est prêt pour donner son esprit
à ceux qui auront la révélation, à ceux qui vont lui demander. Alléluia. Il y a longtemps que tu as demandé le mariage. Il y a longtemps que tu as demandé de maison. Il y a longtemps que tu as demandé des choses de la chair. Alléluia. Mais pendant ces 50 jours, je vais nous conduire. Dieu nous aidera, alléluia, à rester dans la présence de Dieu pour demander à Dieu, Seigneur, fais augmenter ton esprit au-dedans de nous. Amen. Et en ce deuxième jour, je m'en vais nous dire, comprenez dès maintenant que ce n'est pas une chose facile. C'est une chose difficile. Alléluia. Ne serait-ce que de retourner dans la présence de Dieu pendant 50 jours n'est pas une chose facile. Mais si c'est le prix à payer, nous sommes appelés à payer ce prix pendant ces 50 jours et voir Dieu changer nos vies. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Élie a demandé en d'autres termes l'Esprit de Dieu. Élisée a demandé en d'autres termes l'onction de Dieu. Mais j'ai aimé la réponse d'Élie. Élie n'a pas flatté Élisée pour dire, oh, c'est ce que tu veux, Dieu va te l'accorder. Alléluia. Dieu t'a choisi, il va t'accorder ce que tu demandes. Il lui met en garde à sa demande. Il dit, tu demandes une chose difficile. Alléluia. Amen. Je parle à un appelé ce soir. Je parle à un appelé ce soir. À toi particulièrement, qui sait que Dieu t'a appelé à un ministère. L'onction est une chose difficile. Se lever dans les jeûnes et prières pour dire à Dieu, Seigneur, onde-moi. Seigneur, change ma vie. Change le ministère. Seigneur, que ton feu descende dans ma vie. L'onction est une chose difficile. Elle lui dit clairement, tu demandes une chose difficile. Alléluia. Amen. Tu demandes une chose. Comprends ceci, tu demandes une chose difficile. Amen. Amen. Je me rappelle lorsque j'avais eu le BPC au pays, j'aimais les sciences du moins. Et si j'allais faire le lycée d'enseignement général, j'allais faire, comment on appelle, la série C. Donc, c'est dans les causes, pendant les vacances, que j'ai appris que quoi, il y a un lycée technique au niveau d'Adogomé, et qu'il y a une série là-bas qu'on appelle la série E. Donc, on m'a parlé de la série, dit, ah, j'oublie la série C, moi, je vais faire la série E. Je me rappelle, il y avait un de mes oncles, qui a fait la série, qui avait fait la série dans le temps, il n'a pas eu son bac. Déjà, à la première probatoire, il avait échoué plusieurs fois et puis on l'avait renvoyé. Donc, il m'a appelé, il m'a dit, neveu, je sais que tu aimes les études, mais je ne t'encourage pas à s'aventurer là parce que la série-là est trop compliquée. La série est très difficile. Pendant qu'il disait ça, il dit, ah, j'aime écouter des choses comme ça. Alléluia. Parce que déjà, on annonce que la série est difficile. Et je suis tenté d'aller essayer ce qui se passe là-bas. Alléluia. Je suis tenté d'aller. C'est pourquoi je disais, j'aime qu'on me dise la vérité comme ça. Je m'apprête pour affronter le danger qui est là. Amen. Amen. Long story short, j'ai eu le bac E. Alléluia. Amen. Parce que je savais ce qui a été dit. Je sais que quoi, il y a un défi qui m'attend là-bas. Amen. Amen. Il y a un défi qui m'attend là-bas. Mais quand j'ai commencé par lire la Bible et je suis arrivé sur ce passage, quand j'ai compris ceci, je dis, Élie dit à Élisée, tu demandes, c'est une bonne chose, mais comprends ceci, c'est une chose difficile. Alléluia. Amen. Et Dieu a appelé Moïse. Mais Moïse a tourné dans le désert pendant 40 ans
avant de rencontrer le buisson ardent. L'onction est une chose difficile. Alléluia. Amen. L'onction de Dieu est une chose difficile. Le salut est gratuit. La Bible dit, ce n'est pas une chose humaine, c'est un don de Dieu. D'ailleurs, même personne ici, alléluia, raison pour laquelle nous disons que le salut est une grâce, personne ici, au son de ma voix, n'a prié, moi je veux devenir chrétien. Au contraire, tout ceci, on insultait les chrétiens. Tout ceci, on critiquait les pasteurs. On fuyait même l'église. Alléluia. Mais si je te demande comment est-ce que tu te retrouves ici, je dis, tu ne sais pas. Alléluia. Mais la grâce que tu as localisée et t'a accordé ce salut. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Amen. Le salut est gratuit, mais l'onction de Dieu est difficile à recevoir. Alléluia. L'onction de Dieu, comprenez ceci, je préfère vous dire la vérité que de... C'est-à-dire, on nous a laissé trop tourner en rond. Alléluia. Amen. Et comprenez quoi? Vous ne pouvez pas avancer dans cette marche chrétienne sans la puissance de Dieu. Comprenez ceci. Sans l'onction de Dieu, vous irez au ciel. Amen. Vous irez au ciel. Mais je regrette de te dire ceci, mais tu risques d'arriver au ciel dans le sang. Parce que quoi? Les forces des ténèbres vont te combattre, vont te résister. Ils vont te frustrer. Alléluia. Ils feront tout possible pour que tu puisses, pour que tu rates ta destinée en Dieu. S'il y a une seule chose que le diable comprend, que les démons comprennent, alléluia, c'est le feu, c'est la puissance de Dieu. Alléluia. Et comprenez-moi, l'onction est une chose difficile. Il dit à Élisée, tu demandes une chose, une bonne chose. L'onction est une bonne chose, est une chose merveilleuse. L'onction change ton identité. Le feu du Saint-Esprit change ta manière de parler. Mais avant d'en arriver là, comprends ce soir et mets ceci dans ta tête. L'onction est une chose difficile. Alléluia. L'onction est une chose difficile. Alors, il continue. Il dit, tu me demandes une chose difficile. Alléluia. Bien sûr que c'est difficile, mais ce n'est pas possible. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est difficile, certes, mais ce n'est pas impossible de le sauver. Mais si tu me vois, pendant que je serai enlevé avec toi, cela t'arrivera aussi. Sinon, cela ne t'arrivera pas. Comprenez ceci, bien-aimé de Dieu. Pendant ces 50 jours, nous allons aller, nous allons revenir, nous allons prier, nous allons supplier Dieu, nous allons crier à Dieu pour que Dieu dépose quelque chose de tangible, quelque chose d'originaire, quelque chose, alléluia, à quelque chose de puissant dans notre esprit. Et d'ici, tu me vois partir, te sera possible. Ceci veut dire quoi? C'est-à-dire, loin de toute forme de distraction. Parce qu'en réalité, Élisée ne sait pas quand est-ce que les chariots de feu vont descendre pour prendre Élie. Alors, s'il est distrait, s'il est dans des causeries qui n'apportent rien, s'il est sur son téléphone, aujourd'hui, nous avons Facebook, aujourd'hui, nous avons TikTok. Aujourd'hui, nous avons Instagram. Nous avons les réseaux sociaux. Tous ces moyens de distraction qui nous fait gâter le temps. Et tu, si tu es distrait, si tes yeux ne sont pas focalisés sur moi, tu risques de rater ce que tu as demandé. Alléluia.
Si tu es loin des choses de Dieu, si tes yeux ne sont pas focalisés sur Jésus, aujourd'hui, on n'a pas Élie. Notre Élie, c'est Jésus. Amen. Amen. Si tu es distrait, bien sûr que Dieu veut t'accorder son onction, mais si tu es distrait, tu risques de rater ton temps de visitation. Mais tu n'as pas écrit dans le livre des gens qu'il y a des gens qui ont raté leur temps de visitation. Le temps que Dieu avait désiré pour les visiter, pour changer leur histoire, ils ont raté ce temps divin. Je prie pour quelqu'un ce soir, alléluia, que ceci partage dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Je déclare dans ta vie que tu as, il y a un temps divin, il y a un temps, il y a un temps divin. Alléluia. Il y a un temps divin, un rendez-vous divin où l'Éternel a réservé pour te visiter. Yeah. Jésus n'a pas raté son temps. Alléluia. Parce que quand il est après son baptême, quand il est rentré dans le temple, la Bible dit, il a pris le rouleau, il a déroulé et il a commencé par écrire. Là où il est écrit, alléluia, l'Esprit de Dieu est sur moi. Luc 4 à partir du verset 18. Mais on peut retrouver ceci. Jésus n'a pas raté son temps. Quand tu lis, tu vas comprendre que Jésus attendait ce moment précieux. Et ceci est arrivé dans la vie de Jésus. 30 ans plus tard. Alléluia. Écoutez ceci, je te l'avais dit. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Alléluia. Pour publier une année de grâce, alléluia, du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, il le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture, alléluia, que vous venez d'attendre est accomplie. » Alléluia. Jésus attendait ce moment. Amen. Il dit aujourd'hui, alléluia, qu'une prophétie s'accomplisse dans la vie de quelqu'un au nom puissant de Jésus, alléluia. Amen. Au son de ma voix, qu'une prophétie prophétisée sur ta vie s'accomplisse en ce jour dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Qu'une prophétie, qu'une promesse sur ta vie s'accomplisse en ce jour dans le nom puissant. Amen. Et la parole que vous avez attendue, croyez-moi, c'est une prophétie qui durait de plus de 700 ans, de plus de 7 siècles, prononcée par Ésaïe dans le livre d'Ésaïe 61. Mais quand le temps est arrivé, Jésus a localisé, Jésus n'a pas raté son temps de visitation. Je prie que pendant ce temps, que quelqu'un ne pas rater son temps de visitation dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Que quelqu'un ne puisse pas rater son temps de visitation. Vous tous, vous avez appris des visions que l'Éternel a données hier, des visions que l'Éternel a données aujourd'hui. Un temps de célébration est réservé au bout du tunnel pour toi et pour moi. Amen. Alléluia. Un temps de célébration est arrivé pour toi et pour moi dans ces 50 jours dans le nom puissant de Jésus. Amen. Je crois que Dieu ne va pas attendre à ce que nous finissions les 50 jours pour nous visiter, mais Dieu choisira de visiter, alléluia, des gens, les uns après les autres, alléluia, juste à ce que nous finissions les 50 jours, parce qu'on aura son tour de visiter dans le nom puissant de Jésus. Amen. Just my be today. Alléluia. Amen. Amen. La Bible dit, notre Dieu a le pouvoir pour acquérir de l'argent, pour acquérir la richesse.
Amen. Pour avoir la richesse qu'il faut, il faut un esprit derrière toi. Il faut l'onction derrière toi. Amen. L'onction, écoutez ceci, comme j'ai dit, je vais reprendre. Quand nous parlons d'onction, le peuple de Dieu a tendance de comprendre ceci, l'onction pour prophétiser, pour guérir les malades, pour chasser les démons. Loin de là, bien sûr, l'onction comprend ceci. Alléluia. Mais tous, on ne chassera pas les démons. Tous, on ne prophétisera pas. Alléluia. Il y a une onction qui viendra sur quelqu'un, alléluia, qui t'amènera à réussir dans le business. Amen. Alléluia. L'onction de Dieu peut t'amener à réussir dans le business. L'onction de Dieu peut t'amener à réussir tes études. Amen. Alléluia. Amen. Lisez-moi Ésaïe 11 à son verset 2. Chalegede le Maya. Ésaïe 11 à son verset 2. Que l'Éternel localise quelqu'un. Ésaïe 11. Qui l'a trouvé? Tu peux m'aider à lire. Non, verset 2, pas verset 20, verset 2. Ok, je l'ai trouvé. Il dit, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Alléluia. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Vous savez, toutes ces formes mentionnées en ce lieu sont une manifestation de l'onction de Dieu dans la vie des enfants de Dieu. Il y a ce que nous appelons l'onction de sagesse, l'onction d'intelligence. Alléluia. Amen. L'onction de peut-être pour les hommes de Dieu, qui t'amènera à chasser les démons, à guérir les malades. Alléluia. Mais il y a aussi ce que nous appelons l'onction de conseil. Amen. Pour toi, tu es là à conseiller des gens. Il y a une inspiration divine qui vient en toi. Pendant que tu écoutes des problèmes, peut-être des couples, peut-être un homme qui a des difficultés, tu auras une inspiration pour parler. Alléluia. Dieu posera quelque chose sur ta tête qui amènera que quoi? Les gens auront besoin à écouter ta voix, à écouter ton conseil. Amen. Alléluia. Il y a quelque chose que l'Éternel peut déposer dans ton esprit qui fera que quoi? Toi, tu ne feras que prendre de bonnes décisions. You don't know why, mais tu le fais. Jusqu'alors, il y a certaines personnes, ils prennent toujours de mauvaises décisions. You don't know why. Amen. Ils prennent toujours de mauvaises décisions à la dernière minute. Mais alléluia. Mais après ce second jour, il y a un feu qui va descendre dans ton esprit. Alléluia. Ce qui t'amènera à toujours prendre de bonnes décisions au bon moment. Tu prendras une décision que tu ne vas pas rater. Qui a témoigné? Tu as pris des décisions que tu as ratées. Pas une fois, pas deux fois. Alléluia. Pas une fois, pas deux fois, tu as pris des décisions et puis tu es là, tu ne sais pas pourquoi tu as pris cette décision. Il y a un esprit qui influence ta vie. Alléluia. Il y a quelque chose dans le secret, dans l'invisible qui influence tes prises de décision. Mais pendant ce temps de réveil, alléluia, un feu qui va descendre dans ta vie, qui t'amènera à le... Tu ne sais pas pourquoi tu l'as fait, mais à the end of the day, tu prendras une bonne décision qui va t'avantager. Alléluia. La Bible nous parle de Siméon, que divinement averti, l'Esprit de Dieu était sur lui. Et la Bible dit, parce que l'Esprit de Dieu était sur lui, la Bible dit, le jour là, il passait, la Bible dit, poussé par l'Esprit. Quand l'Esprit de Dieu est sur toi, il te pousse à prendre de bonnes décisions. Il t'inspire à faire de bonnes choses. Je dis, poussé par l'esprit,
il se rendit au temple parce que quoi, le ciel avait résolu à ce que quoi, Siméon rencontre Jésus dans le temple au jour. Amen. Poussé par l'esprit, ne veut pas dire que quoi, il y a quelqu'un derrière lui qui le poussait. Mais il a juste senti dans son esprit le jour. Il n'avait pas programmé de passer par le temple le jour-là. Mais il a senti dans son fort intérieur. Alléluia. Pendant que j'y vais, je poserai un détour pour passer par le temple. Et ça a été le temps où le ciel avait réservé pour lui de rencontrer le petit enfant Jésus. Alléluia. La Bible nous parle de Lot. Lorsque les anges ont visité Sodome et Gomorrhe pour détruire Sodome et Gomorrhe, lorsque le choc, les anges ont dit, toi tu dois quitter la ville cette nuit. Parce que quoi, on a été envoyé pour détruire la ville. Il avait écouté, mais sûrement, il n'avait pas compris, ou bien, il ne croyait pas à ce qu'il disait. Pendant qu'il traînait les pas, la Bible dit, les anges l'ont pris pour le forcer, pour le faire sortir. Pour le temps du Sodome et Gomorrhe, je prie pour toi en ce jour dans le nom puissant de Jésus. Que l'Esprit de Dieu te t'amène, alléluia, à prendre de bonnes décisions, alléluia, qui vont t'avantager dans le nom puissant de Jésus. Amen. Tu ne vas pas arriver au mauvais moment, au mauvais endroit dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Parce que quoi? Il y a l'onction de Dieu, il y a l'Esprit de Dieu qui te sera accordé pendant ce temps de réveil. Alléluia. Certes, c'est difficile, mais c'est possible de le recevoir. Amen. Alléluia. Alors, quand Élisée avait pris ses dispositions pour ne pas rater ce qu'il a demandé, en d'autres termes, il a donné toute son attention, était sur son maître Élie qui devait le quitter. Alléluia. Alors, le verset 11, quand tu lis le verset 11, la Bible dit que quoi? Pendant qu'ils marchaient ensemble, pendant qu'ils avançaient, alléluia, un soudain est arrivé, comme il était question dans Actes 2, le verset 2. Alléluia. Pendant qu'ils marchaient, parce qu'il n'y avait pas un temps précis. Dieu n'avertit pas. Dieu surprend toujours. La Bible dit, pendant qu'ils marchaient ensemble, des chars de feu, des cheveux de feu descendus du ciel pour les séparer ensemble et emporter Élie. Alléluia. Mais Élisée était loin de toute forme de distraction. Élisée savait ce qu'il cherchait. Élisée attendait ce qu'il avait demandé. Élisée avait ses regards fixés sur Élie. Élisée n'était pas distrait. Alléluia. Ma prière est pour toi. Pendant ces 50 jours, alléluia, au loin de toute forme de distraction, car nous savons ce que nous venons chercher en ce lieu, alléluia, que le ciel te localise, que le ciel te supprime, que le ciel t'accorde ce que tu veux dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Pendant ce temps que nous allons passer ensemble, oh, la dimension spirituelle de quelqu'un va changer. Alléluia. Il y a un feu que l'Éternel va laisser dans ton esprit. Alléluia. Il y a une visitation. Tes rêves vont changer dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Si tu étais poursuivi dans tes rêves, maintenant c'est toi qui vas poursuivre tes ennemis dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on me reçoit? Kabando le brise élément Kabando le brise gede le gade le gata ya gata ya ba le gede le mane Ifala gada la mano kohipe le gede le mano kuza gada la bana gata ya ba. Bien aimé, pendant ces 50 jours, désirons l'Esprit de Dieu. Alléluia. Désirons le Saint-Esprit. Pendant ces 50 jours, chérissons le Saint-Esprit. Amen. Que quelqu'un me lise Jacques 4 à son verset 5.
Jacques 4 à son verset 5. Vous gardez. Verset 5. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en vous. Alléluia. Amen. Amen. Il dit, croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit, alléluia, l'Esprit qu'il a mis en vous. Vous savez, Dieu est très jaloux de son esprit. Amen. Dieu est très jaloux de son esprit. Et il n'est pas n'importe quel esprit, il est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Dieu est très, très, très jaloux de son esprit. L'une des raisons pour laquelle il est très difficile que Dieu accorde son onction. Vous comprenez pourquoi Élie a dit à Élisée, tu demandes quelque chose de très difficile. Quelqu'un qui demande l'onction ou bien qui cherche l'onction doit vivre dans la sainteté. Quelqu'un qui demande le Saint-Esprit, l'onction de Dieu, doit être quelqu'un de très discipliné. Quelqu'un qui désire le feu du Saint-Esprit, alléluia, doit être quelqu'un de très ordonné. Il dit, c'est avec jalousie que Dieu chérit son esprit. C'est-à-dire, Dieu veut donner son esprit, mais au même moment, il est jaloux de son esprit, de cet esprit. C'est comme si un père qui veut laisser sa vie, sa fille en mariage. Mais à cause de son amour pour sa fille, le père est jaloux. Le père sait, ma fille est grande. Je ne peux pas garder ma fille à la maison. Je dois la donner en mariage. Mais le père est jaloux. Parce que le père, voyant la tête du monsieur, dit, cette tête ne m'inspire pas confiance. Alléluia. Dieu veut donner son esprit, mais Dieu demande, Dieu voit combien de fois nous sommes sérieux, combien de fois nous sommes intègres, combien de fois, alléluia, nous sommes disciplinés. Dieu veut donner son esprit, mais il est très jaloux de cet esprit. Je veux dire à quelqu'un ce soir, appelons de Dieu, chérissons le Saint-Esprit. Alléluia. Chérissons le Saint-Esprit. Chérissons le Saint-Esprit. Alléluia. Quand Dieu est fier de toi, quand Dieu voit ton sérieux, Dieu va déverser son onction à l'infini dans ta vie. Amen. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce soir. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, tu demandes une chose difficile parce que Dieu est très jaloux de son esprit. Parlant de la jalousie, alléluia, un père qui est jaloux de sa fille. Donc, vous savez, les filles là, vous devez parfois écouter la voix de vos parents. Amen. Tes parents n'ont rien contre toi. Mais quand ils voient, à cause de leur expérience, ils disent, ce que nous voyons, on a déjà vu ceci. Amen. Alléluia. Vice versa, hein, que ce soit ces trois garçons qui amènent une fille dans la maison, et puis ta mère voit, dit, mon garçon, je n'ai rien contre toi. Hein. Mais la fille là, attends un peu. Alléluia. Cette nouvelle génération, on n'écoute personne. Ton papa, t'as tes parents d'appel. Hé, ma fille, le garçon que je vois là, non. Il ne m'inspire pas confiance. C'est l'amour du père pour toi. C'est l'amour de ta mère pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Tout le monde a fermé son micro. Est-ce qu'on me reçoit?
Amen. Amen, papa. Amen. Quand tes parents te mettent en garde, c'est à cause de leur jalousie, c'est à cause de leur amour pour toi. Et de la même manière, Dieu veut donner son esprit, mais Dieu est très jaloux de son esprit. Le salut est gratuit, mais lorsque Dieu libère son esprit dans ta vie, Dieu voit combien de fois tu es sauvé. Alléluia. L'une des raisons pour laquelle l'onction de Dieu est très rare aujourd'hui dans la maison de Dieu. L'une des raisons pour laquelle aujourd'hui, parce que quoi? Le manque de sérieux de cette nouvelle génération fait que quoi? L'onction de Dieu est très rare. Pourquoi Dieu fait verser sa présence en onction sur Dieu? Amen. Et ma prière de quoi? Tous ensemble ici, nous prenons Dieu au sérieux. Nous revoyons notre marche avec Dieu. Pour que quoi? Dieu puisse déverser sa puissance, son onction dans notre vie. Alors, je retombe alors sur notre thème de Zacharie 12, verset 8. Parce que c'est l'onction de Dieu qui a fait de David ce qu'il est. Alléluia. Alors, la grâce que Dieu veut déverser en ce jour, il dit, si je déverse la grâce, si je libère mon esprit, s'il y a un faible parmi eux, ce faible sera comme quoi le puissant David. David qui a tué Goliath. David qui a renversé les ennemis. David qui a remporté des victoires. David qui était un adorateur, qui adorait Dieu en esprit et en vérité. Il dit, s'il y a un faible parmi nous en ce lieu, le faible sera comme le puissant David. Mais toute la maison de Juda sera comparée à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand ce temps de réveil, en ce temps de réveil, que la main de Dieu te localise, que la main de Dieu t'accorde une grâce. Amen. Que la main de Dieu soit activée dans ton âme. Ce que nous visons en ce lieu, alléluia, c'est que Dieu nous élève au standard des dieux. Alléluia. Que Dieu fasse de nous des esprits en ce lieu. Que le feu de réveil soit activé en dedans de nous. Amen. Que Dieu fasse de nous des décideurs. Amen. Que Dieu fasse de nous, alléluia, des gens qui vont dignement représenter Dieu. Amen. Ce qui te fera de Dieu, ce qui te fera de toi un Dieu, c'est l'onction de Dieu, c'est l'esprit de Dieu, c'est la puissance de Dieu, c'est le feu du Saint-Esprit que l'Éternel va déverser au-dedans de toi. Alléluia. 2 Samuel 30, je vais terminer par là. 2 Samuel 30. Non, c'est pas 2 Samuel. 2 Samuel, je vais parler à 30. 2 Samuel. Qu'est-ce que j'avais dit? 2 Samuel. Non, 2 Samuel, attends, je vois. Mais c'est 2 Samuel. J'ai fait une erreur dans ma. Dans le verset que j'ai mis ici. Okay. Voilà, c'est 1 Samuel 30, c'est pas 2 Samuel 30. Tant pour moi. Ok. Ok, tu peux passer un verset combien? Tu peux lire le verset en avant. 1 Samuel 30, le verset 1. Lorsque David arriva le troisième jour à Ziklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le midi et à Ziklag
il était vêtu. Pardon, il avait. Il y a beaucoup de. Pendant qu'on lit, on peut contrôler le micro. Pendant qu'on lit, si on peut contrôler le micro, please. Après d'avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, il n'avait tué personne, mais il avait tout emmené et s'était remis en route. Verset 3, David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elle était brûlée et leurs femmes, leurs fils, leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'aient plus la force de pleurer. Verset 5. Les deux femmes de David avaient été emmenées à Shinoam de Jisrel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut avec une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage et s'appuya sur l'Éternel, son Dieu. Amen. Il dit au sacrificateur Abiathar, fils d'Achimélec, « Apporte-moi donc les fautes. » Abiathar apportait les fautes à David, verset 8. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai cette troupe, l'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis quand tu l'atteindras et tu délivreras. Amen. Amen. Verset 9. Oui, vas-y. Et David se mit en marche, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Bessor où s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière. David continua la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'arrêtèrent trop fatigués pour passer le torrent de Bessor. Ils trouvèrent dans les champs un homme égyptien qui... Ça va, c'est une longue lecture, mais déjà, jusqu'au verset 10, ça va nous donner... Voilà, une idée de ce qui se passe. Alléluia. Le passage que nous venons de lire est à l'image de beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui. Amen. Beaucoup d'enfants de Dieu où les ennemis sont venus piller leurs biens, sont venus piller leur destinée. Amen. Alors, à leur retour, les ennemis sont venus piller toute l'attente de David et tout ce qui était avec lui. La Bible dit, tout le peuple pleurait. David, au verset 6, fut dans une grande angoisse et tout le peuple pleurait de le lapider. Vous savez, parce que quoi? Le peuple a tout perdu. Amen. Mais David a pris courage et il a consulté son Dieu. Et David, Dieu a ordonné, il dit, vas-y, que tu vas retrouver tout ce que tu as perdu. Je veux dire à quelqu'un, dans cette marche que Dieu nous a ordonnée, pendant que nous allons observer ce moment, nous allons récupérer tout ce que l'ennemi nous a perdu jusqu'en ce jour. Mais voici... David continue la suite avec les 500 hommes. 200 s'arrêtaient trop fatigués. Alléluia. Amen. Amen. Ils étaient 600, mais 200 ont résisté, malgré que Dieu avait ordonné. Dans la suite de l'histoire, David est parti. La Bible, David, au verset 18, David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris et les délivra aussi. Et il délivra aussi ces deux femmes. Je veux dire à quelqu'un, pendant que la fatigue va arriver, n'abandonne pas cette course. Que le découragement va arriver, parce que le résultat est au bout du tunnel. Vous allez dire, il a commencé avec 600 personnes. Il est arrivé à un moment où 100 personnes ont désisté. Alléluia. Les 200 personnes qui ont désisté, ils n'ont pas.
Et tous, ils ont perdu quelque chose. Hein. Mais 200 personnes sont fatiguées. 200 personnes ont abandonné. Malgré qu'ils avaient pleuré au verset 6, ils n'ont pas encore retrouvé ce que l'ennemi les a pris. Mais ils ont abandonné. Mais quand David a repris courage, quand David a continué, alléluia, la Bible dit au verset 8, David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris et il délivra, alléluia, aussi cette femme. Pendant que nous allons continuer cette marche, pendant que nous allons continuer cette couche, alléluia, la main de l'Éternel vient à ce moment. Amen. On va récupérer tout ce que l'ennemi te sauve. Au jour d'aujourd'hui, tu sais ce que tu as sauvé. Au jour d'aujourd'hui, tu sais ce qui manque dans ta vie. Au jour d'aujourd'hui, toi-même, tu es sain et tu es conscient que l'ennemi a volé. L'ennemi t'a pris quelque chose de grand. L'ennemi a volé tes enfants. L'ennemi a volé ta destinée. L'ennemi a volé ton foyer. L'ennemi a volé tes enfants. L'ennemi a volé ton boulot. Ce n'est pas le moment d'abandon. Alléluia. La marche serait difficile, mais la victoire sera pour ceux qui vont continuer cette marche. Amen. Élie l'a averti. Tu demandes une chose difficile. Même si nous retournons en arrière, nous allons voir comment est-ce que même les élèves du prophète là, ont découragé Élie. Il dit, ton maître sera enlevé aujourd'hui. Il dit, je le sais. Même Élie dit, il dit, arrête la course ici. Tu peux retourner à la maison. Élisée était déterminé. Élisée savait ce qu'il cherchait. Alléluia. Élisée était déterminé. Élisée savait ce qu'il cherchait. Alléluia. Alléluia. Élisée savait ce qu'il cherchait et il était déterminé à aller jusqu'au bout. Amen. Que Dieu t'accorde. Amen. Alléluia. Que Dieu. Ce dont tu as besoin en cette début, c'est la force pour continuer. Alléluia. Que Amen. Dieu te donne la force dans le nom puissant de Jésus. L'onction est une chose difficile. La puissance de feu du Saint-Esprit est une chose difficile. C'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Alléluia. Amen. C'est difficile, mais ce n'est pas impossible. C'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Dieu nous accordera à chacun de nous en ce lieu, pendant ces 50 jours, une grâce particulière, une Amen. Grâce de distinction, un feu nouveau, une onction nouvelle, alléluia, pour accomplir et récupérer tout ce que l'ennemi a voulu dans ta destinée. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. L'onction est une chose difficile. Manque brozo godo hileget elemaya. Nous allons élever la voix, nous allons prier. Mahele gede le brasu gede le gede le malo kuse gede le mané. Mahele gede le brasu. Nous continuons ceci dans un temps de jeûne de prière. Alléluia. Je ne sais pas qui a déjà lu le livre de. Alléluia. L'onction de Dieu. Dieu lui a dit, tu vas m'aimer plus que la nourriture. Alléluia. Tu vas m'aimer plus que la nourriture. Tu vas m'aimer. L'onction est une chose difficile. Le titre de son livre dit le prix à payer pour un ministère de puissance. Alléluia. Et brandé, le prix à payer, un prix à payer pour recevoir l'onction de Dieu. Il y a un prix à payer pour sortir de l'ordinaire, d'un enfant de Dieu ordinaire. Alléluia.
Tu as fait une promesse pour ma vie dans le nom puissant de Jésus. Jésus les a recommandés. Ne partez pas encore. Attendez pour recevoir ce que le Père a promis. Ne partez pas encore. Attendez pour recevoir ce que le Père a promis. Ne partez pas encore. Attendez pour recevoir ce que le Père a promis. Ne partez pas encore. Dans le nom puissant de Jésus, nous nous réunissons ce lieu pour recevoir ce que tu as permis. Pour recevoir ce que tu as promis, ce que tu as promis, ce que tu as promis, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Mando sougede legede, rousede le mando kuzagada la bahé, legede mando kuzagada la bahé, legede mando kuzagada la bahé, legede le 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 mando kuzagada la bahé, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Tu vas élever ta main, je vais déclarer sur ta vie et nous allons terminer. Alléluia. Tu vas élever tes mains dans le nom puissant de Jésus. Je vais libérer le feu. Le feu du Saint-Esprit. Je vais libérer la grâce. La grâce de Dieu dans ta vie, la Amen. Grâce de Dieu dans ta vie, la basse la gada la bande, la gada bande, la gada la bande, guédé les bande. Seigneur mon Dieu, mon roi, je lève ton cœur ici présent au devant de toi, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, marque la parole de l'Ébana. Lève ton peuple au devant de toi dans le nom puissant de Jésus, libère ton feu au Père de gloire dans leur vie, dans le nom puissant de Jésus. Les bronzes, les guédés, localise que ce soit au son de ma voix dans le nom puissant de Jésus. Localise une destinée ce soit au Père de gloire dans le nom puissant de Jésus. Je libère le feu dans ton âme. Les brosses sont donnés par la délémana. Nous récupérons par le feu. Nous récupérons par le feu une destinée que l'ennemi a détruite au Père de gloire. Je récupère par le feu une destinée que l'ennemi a détruite dans le nom puissant de Jésus. Je libère le feu du Saint-Esprit dans ton âme, dans le nom puissant de Jésus. J'élève ma voix au Père contre tout esprit contraire qui lutte contre, dans le nom puissant de Jésus, qui lutte contre la gloire de Dieu, qui se posait dans ta vie au Père de gloire. Je libère le feu dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Je menace par le feu du Saint-Esprit, tout esprit qui menace ta vie dans le nom puissant de Jésus. Je menace par le feu, tout
esprit serpent, légué l'émané, je menace par le feu, comme fort, assis sur ta destinée, dans le nom du sang de Jésus, empêche la croix de Dieu de descendre dans ta vie, dans le nom du sang de Jésus, je libère le feu, légué, azougué, et parlant, sana dans la banée, je le feu, ma capote la maya, en ces 50 jours, je change ton histoire, en ces 50 jours. Que Dieu te visite en ces 50 jours. Que Dieu t'accorde un témoignage en ces 50 jours. Que ta destinée, que tu retrouves ta destinée dans le nom du sang de Jésus. Dans le nom du sang de Jésus. Par le feu du Saint-Esprit. Marqué par l'André. Rousaga Helegede. La Gouzaka Helegede. Helegede Ibarakouzagada. Seigneur mon Dieu, mon roi, localise quelqu'un ce soir. Au sang de ma voix. Dans le nom puissant de Jésus. Localise quelqu'un. Que ce soit au sang de ma voix, dans le nom puissant de Jésus. Mando Sugedi le Mayagana. À la course, Gedi le Mayagana. Pour ton esprit. Alléluia. Merci, oh mon Dieu, mon roi. Merci, oh mon Dieu, mon roi. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, libérez tes enfants. Alléluia. Amen. Que Dieu commence dès maintenant, dès aujourd'hui, des témoignages glorieux dans vos vies. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Wisdom, soyez bénis. Que la main de Dieu soit sur vous. Tonton Yassé. Alléluia. Amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Alléluia. Que Dieu change la destinée. Amen. Pendant ces 50 jours. Maman Chantal, vous êtes bénie. Mélène, vous êtes bénie. Maman Fabienne. Amen, oh, papa. Amen. Que la main de Dieu soit sur vous. Alléluia. Les rêves vont changer. Alléluia. Amen, oh. La lumière de Dieu va visiter les gens. Amen. Sois sensible dans ces jours. Alléluia. À tous tes rêves. À tous tes rêves. Il y en a gratuit. À tous tes rêves. Sois sensible. Tu verras ce que tu fais. Tu verras le changement. Papa Lolo. Oui. Je voulais savoir. Je n'ai pas compris un truc bien. Et les 50 jours là, c'est 50 jours de jeûne. Oh ouais. Hein? Ouais, ouais. Nous jeûnons. Tu jeûnes jusqu'à 15 heures. Wow. Nous préparons la dépose. Voilà, c'est une chose difficile, mais c'est le prix à payer. Alors là, voilà, tu viens de confirmer mon message. Il est wow. Yeah, écoute le message, me dit attends, c'est moi, il m'a bien compris, wow. C'est pas... Ok, d'accord. C'est va. Dieu va changer quelque chose dans ta vie. Amen. Ok. Alléluia. 50 ans, 50 jours, 50 semaines de jubilé, c'est une année de délivrance. Amen. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Amen. Aucune, sois béni encore. Amen, papa. Amen, amen, amen. Alléluia. Soyez béni, homme de Dieu. Il est parti. Oh, non, non, sûrement.
J'ai eu des problèmes de connexion à Internet. Ah, il avait au problème. Bon, l'obligé va qui Internet a viré. On va les uns et nous y a tort. Portable à toi, et les enfants, Fifi. Amen. Ça va aller. L'ennemi est vaincu. On a venu un signe de quelqu'un. Oh, sorry. Bien enregistré. Marie, c'est. Lien les YouTube. Moi, je en direct. Elle est YouTube. Dit. Oh, ok. Je vais couper même. Vous allez record. Donc, elle est YouTube. Dit. Eh. Ok, encore un manuel. Encore un manuel.